C'est le cirque depuis plusieurs semaines dans le quartier de la Catte, et c'est une bonne nouvelle. Parfois perturbé par quelques fortes têtes, l'endroit accueille le chapiteau du théâtre de la Gargouille. Pour une trentaine d'enfants, c'est la chance de profiter gratuitement pendant une semaine de cours de théâtre, d'éveil musical et de cirque. Ce matin-là, c'était jonglage puis trapèze. Moi, je suis à l'aise sur le trapèze, mais il y en a peut-être, ils ont peur. Découverte aussi d'un nouveau vocabulaire. Voilà, ça c'est le panier. J'ai fait une étoile, après j'ai fait un panier de basket. Le maintien de l'opération Quartier en scène est un petit miracle en cette période de pandémie. Le projet soutenu par l'État, le département, la ville et l'agglomération de Bergerac mobilise une soixantaine de personnes autour d'un programme élaboré depuis un an avec les habitants. À chaque rencontre, en fait, on essayait de réfléchir ensemble à qu'est-ce qu'on pouvait faire pendant le temps de l'implantation du chapiteau ensemble. Et c'est comme ça qu'on a construit un programme avec des spectacles, mais aussi des ateliers de pratique, des démonstrations de boxe. Ici, des familles préparent des géants qui défileront samedi dans le quartier. Il y a des yeux en plastique, il y a une moustache avec une langue, après il y a des yeux. C'est un moment agréable de partage. Après le défilé des géants, samedi à 14h, rendez-vous sous le chapiteau où les enfants présenteront un spectacle, avant Pinocchio, par le théâtre de la Gargouille.